petite vidéo des bébés chouchous de maman Pouf Souffle. Ils m'ont entendu, ils attendent après la gamelle. Coucou les bébés d'amour! Donc, né le 27 février. Bonjour, bonjour tout le monde! Bonjour les bébés d'amour à maman! Donc, né le 27 février, donc 4 semaines aujourd'hui. Donc, si on est un petit peu rose à notre bouche, c'est parce qu'on vient de manger la petite grenadine et le petit vermifuge. Donc, voilà les petits monstres. Donc, ça grandit bien. Ça pousse bien. Cette semaine, ça a bien poussé. Les petites dents commencent à arriver. Donc, maman, elle commence à se sauver un petit peu. Elle est encore fort, maman protectrice. Mais voilà, ça soulage le fait qu'ils ont les pâtés. Donc, ici, on a Sirius. Alors, je sais pas si je vais encore réussir à les porter à une main. Je vais essayer. Alors, ici, on a le loulou. Hop. Alors, Sirius. Donc, Sirius, mâle collier bleu fauve. Oh, mon chéri. Donc, après... Ici, on a la feufeille collier rose. La fifille collier rose. Alors, ils savent qu'ils vont avoir la pâtée, alors du coup, ils sont là en train de nifler. Je vais vous montrer un petit peu la progression en une semaine avec les bouillies. Donc, je vais essayer de porter la Fifi collier rose. Je vous promets rien parce qu'il commence à devenir lourd, franchement. Alors, la Fifi collier rose. Donc, ça commence à bien ressembler à du chouchou, hein, ça y est. Tout petit. Mais là, c'est vrai que ça prend bien le petit fouet du chouchou, le petit pinceau là, qui balance. Donc ensuite, on a la femelle collier orange. Donc là, je vais montrer un petit peu plus précisément parce que les gens se reconnaîtront. Donc la femelle collier orange qui est là. Une très jolie femelle. Donc qui est fauve. Hein. Hop. Donc, femelle collier orange. Voilà la petite bouille. Oui, attendez, chacun tour les bébés. Donc, voilà. Hein. Donc, avec un beau masque noir, comme je vous avais dit au téléphone. Ensuite, bah, on va prendre la femelle collier jaune. Alors, la femelle collier jaune. Donc, voilà la louloute. Ça commence à être lourd, hein. J'avais du mal à les porter à une main. Ensuite, on a la femelle collier blanc. Alors, la femelle collier blanc. Ici. Hop. Oui. Donc, qui est fauve. Pareil. Femelle collier blanc. Donc là, on a la femelle collier orange et collier blanc, vous voyez. Côte à côte, hein. C'est pour monsieur, madame qui se reconnaîtront. Donc ici, on a la femelle collier orange. Donc il va bien être fauve, hein, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, elle est plus foncée, donc elle tiendra plus son masque noir en tête. Vous voyez les deux côte à côte. Donc la blanche. Et la orange. Voilà. Donc ensuite, qui c'est que j'ai pas montré? Qui c'est que j'ai pas montré? Alors regardez, on a blanc, orange, jaune. Vous voyez, on voit déjà du fauve sur le museau. Donc elle aura moins un masque noir. La orange. J'insiste un petit peu. Hein. Et la blanche. Donc, pareil, on voit déjà un petit peu de fauve sur le nez, vous voyez. Donc c'est ça qui me fait dire. Et puis le pelage plus foncé là-bas. Hein. Donc voilà, donc après la femelle collier rouge cinnamon, on passe sur les cinnamons. Attendez, la femelle collier rouge cinnamon. Je vais devoir la poser, elle est trop lourde. Donc voilà. Ensuite, ici, le loulou collier gris argent.
J'essayais de le porter, mais alors là, c'est pareil. Je sais pas si j'y arriverai. J'ai peur de les faire tomber. Alors après, ils vont avoir peur. Donc, je vais plutôt les montrer. Ah si, parce que j'attrape mal à mon bras, comme ils sont nombreux. Donc, le mâle collier gris-argent. Cinnamon. Après, ici, on a la femelle collier turquoise. Cinnamon. Dis-moi ta bouille. Voilà, un femelle collier turquoise. Et ici, on a Seiko. Hop, attends, mets-toi là, mon loup. Pour montrer à papa et maman. Collier noir, cinnamon. Mais si tu manges la caméra, ça va pas aller, toi. Pousse collier blanc. Tu veux des bêtises? Alors, attendez, je vais reprendre Seiko. Hop. Donc voilà. Seiko. Donc voilà les petits monstres. Donc tout le monde grandit bien. Ils ont eu leur deuxième vermifuge aujourd'hui. Au niveau des courbes de poids, ça va très très bien. Ça pousse vraiment bien. En une semaine, ils ont bien pris. Donc ils ont toujours maman. Donc femelle collier turquoise. Je monte tant qu'ils n'ont pas mangé, parce qu'après ils vont être tout mouillés. Ils vont plus être beaux parce qu'ils vont se traiter dans la bouillie. Sirius. Femelle collier orange. Monsieur collier noir Seiko. Femelle collier rose qui mange mes chaussettes. Femelle collier blanc qui mange mes doigts. Collier blanc. Collier jaune. Et forcément, ils viennent tous sur moi, donc c'est pas évident. J'essaye de bouger. Oui, je vais donner. Je vais donner à manger. On va donner à manger. Oui. Mâle collier gris. Collier rose. Collier bleu. Collier turquoise. Collier noir. Ils attendent vraiment les gamelles, hein. Donc je vais leur donner pour Sirius qui se couche, collier rose qui fait la petite folle, Seiko qui attend désespérément la gamelle. Ouais, c'est long là, t'as fini de nous filmer, t'as déjà mangé un petit peu là. Allez la vieille, au boulot, hein. Dis, c'est bien beau les bisous, les mamours, mais nous on a faim. Hein. Collier jaune. Attends, bouge pas la caméra. Collier jaune, si tu montes sur mes bras, ça va pas. Collier blanc. C'est quoi ça? Donc ça, c'est collier blanc. Collier rouge. Collier gris. Pouit, pouit. Kiné. Qui kiné ça? C'est kiné. Collier blanc ici qui pleure. On va mettre collier orange. Collier orange. Je suis désolée si la caméra bouge un peu, mais ils montent tous sur mon bras. Notamment collier blanc. Collier noir. Collier bleu. Bon, alors je vais leur donner là-bas la pâtée, parce qu'après la vidéo va être trop longue. Hop. Alors on est passé sur des nourrisseurs, comme je vous avais expliqué dans la vidéo précédente. Les nourrisseurs, ils n'ont pas encore vu. Et voilà. Alors là, c'est parti. Donc on est parti sur des nourrisseurs. Bon, ils montent quand même dedans, hein, mais voilà. Maintenant, ils savent ce que c'est. Mmh.
Et ça, ils voient. Après, ils font des gros popos. Voilà les petits monstres. Bon appétit mes loups. On va les laisser manger tranquillement. Ils aiment bien. Après ils sont calés, gros dodo. Donc après les chiots, là bon forcément ils mangent tous ensemble encore. Mais avant les départs, les chiots sont habitués à manger individuellement. Voilà. Pour savoir vraiment quelle quantité chaque chiot mange et surveiller, hein, parce que forcément dans des gamelles comme ça, il y en a qui mangent plus vite, il y en a qui mangent moins vite. Donc ça permet vraiment de voir ce que le chiot mange au niveau de la quantité. Donc voilà, vous voyez la différence par rapport à la semaine passée. Ils ont bien progressé, ils ont bien grandi. Les petites dents, ça y est, ça arrive là. Il y a des petites aiguilles qui commencent à bien pousser. Ça y est, le 1 mois. Le gros lourdeau qui pousse Sirius. Viens là, mon chéri. Hop. Et ça, il mange, ça, il mange. Hé Donc ici on a un collier orange, ici on a un collier jaune, collier rouge, collier rose. Ici c'est que des filles. Donc ici on a collier bleu Sirius, ici on a collier blanc et ici les trois cinnamons. Donc Seiko qui est là, ici on a la femelle turquoise et ici on a le mâle collier gris. Essayez de me relever pour bien voir. Donc la semaine prochaine, ce sera dans un parc encore plus grand. Ce sera dans un parc d'éveil, hein, 5 semaines. Donc ils vont venir à tour de rôle dans la maison parce que 9 comme ça, il faut vraiment... c'est beaucoup d'un coup, donc on fait des petits groupes. Généralement, ce sera des petits groupes de 3. Ils vont venir chacun à leur tour dans la maison. Les parcs d'éveil, les jouets, les boules... les bruits de l'aspirateur, de la télé, etc., etc., hein, pour familiariser tout ça. Ça mange bien. Hein. Ça commence à caler. On va faire la toilette. Rose qui fait la toilette. Tu sens bon. Orange qui mange encore. Donc voilà, voilà pour cette vidéo. Hein, donc la semaine prochaine, vidéo des 5 semaines. Les petits monstres. Plein d'amour tout ça. Et Orange, la gamelle pour elle tout seul. Super. Après on se couche déjà là, on se couche déjà. Donc voilà, voilà, à la semaine prochaine.